Let's read in the Holy Scriptures. 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 6. 2 Corinthians 10, verse 4 to 6. 2 Corinthians 10, 4 to 6. Glory to God. 2 Corinthians chapter 10, verse 4. À Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 10, reading from verse 4 to verse 6. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedience to Christ. And we will be ready to punish every act of disobedience once your obedience is complete. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Les témoignages nous ont beaucoup enseigné. il y a un lien étroit entre le renversement des idoles et la délivrance et la délivrance authentique n'oublions jamais qu'il s'agit de renverser les principautés Et we should never forget that is all about overthrowing personal and family principalities. Et, que je la While I was preparing this meeting, Sir ami, dans mon la Sir Giselle, the Lord laid it in my heart to invite Sister Giselle. Pour qu'elle nous dise comment elle a traité avec les idoles avant sa délivrance. Soledad, she would tell us how she dealt with idols before her deliverance. Et comme c'est l'œuvre de Dieu. As it is the work of God. Parmi les témoins d'aujourd'hui. Among the witnesses of today. Il sert de que les démons, les démons a dit à son ami. among those who testified today a sister said that when the demon came out he told the little baby that don't go far once you will fall into anger again we are going to come back Donc, Dieu est vraiment avec nous pour nous guider. so god is with us to direct us Et je suis sûr. and i am sure Il y aura beaucoup de ce soir. that there will be many deliverance this night resistances are going to fall off uh, where, is where is sister Giselle oui, -le le micro. yes give her the microphone Un bon micro. a good microphone Elle fait partie des gens qui ont touché cette histoire de renverser, de renverser les, euh, les principautés ou de déraciner les idoles. She is one of the people who have experienced this matter of overthrowing principalities and overthrowing idols. Écoute très bien son témoignage. Listen carefully her testimony. L'autre sœur, l'autre sœur, où est-elle? The other sister, where is she? Celle qui a vu sa grand-mère sortir. d'elle. The one who saw her grandmother coming out of her. She just testified a while ago. Where is Pedro? Sister Jeanette of San Pedro? Yeah. Come. This is the laboratory. Here. Yeah. The doubt is destroyed. Le doute est détruit. Les préjugés sont bannis. Je veux la saluer. C'est un privilège. Commence. Start. Moi, c'est la sœur Blah Aou et j'ai pour fêter des disciples le pasteur Kwawe Emmanuel. J'aimerais être infiniment reconnaissante au Seigneur qui m'a délivré de l'esprit de colère. Gloire à Dieu. Il faut dire que quand nous sommes venus, quand nous prions chaque soir, j'ai sens des résistances. Et la dernière fois, Papa Ménia a dit, euh, les livres que vous avez payés là, lisez et renversez les idoles pour briser la résistance. Et je suis partie, quand je veux lire, je n'y arrivais pas. Et hier, j'ai décidé de lire le livre et je suis arrivée à renverser les idoles. Et c'était tellement nombreux. Je me suis assise, je renversais, renversais, et je me suis couchée sur le dos. Et je priais. En même temps, je fais une vision où une femme sort de moi en même temps. Quand elle est sortie, et puis il y a un bébé de trois ans qui sort d'elle. Gloire à Dieu! Et j'étais couchée, je regardais, et l'enfant s'orientait, partait vite, vite, et puis elle lui dit: Non, non, attends, attends, si elle tombe dans la colère encore, là, on va rentrer. Il ne faut pas aller loin. Gloire à Dieu! Vraiment, quand je me suis réveillée, j'ai jugé et j'ai rendu toute la gloire au Seigneur qui, devait, qui venait de, ma, de me donner la délivrance sur la colère. Et Quand j'ai continué à prier, j'ai commencé à rendre, à tousser, à m'étouffer, mais je continuais dans la prière et le Seigneur m'en a délivré. Je veux lui être infiniment reconnaissant. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je suis la sœur Gisèle Coissy. Mon faisait des disciples le pasteur Charles Biayi. Je suis de la zone de la rivière 2. J'ai souffert pendant longtemps d'une oppression démoniaque. J'avais un mari de nuit qui m'a beaucoup fatiguée et il s'est maintenu dans ma vie pendant longtemps et même. Après ma conversion, il était là à cause d'une situation, d'un péché que j'avais. C'était subtil, qui était dans ma vie. Gloire à Dieu. Il faut dire que euh, quand j'étais encore dans le monde, c'est là que je me suis rendu compte que ce démon était dans ma vie. Cela se manifestait par des songes qui me troublaient. Ce démon pouvait m'envoyer sur de vastes étendues d'eau. Je ne le voyais pas, mais je sentais qu'il y avait un homme qui me guidait partout. Je le suivais. C'était comme une ombre. Je pouvais me retrouver sur de vastes étendues d'eau. Ou bien dans des forêts, des forêts noires. Ou bien même je pouvais entrer dans une maison qui a une seule porte. Et je ne fais que entrer, entrer, entrer. Des portes s'ouvraient devant moi. Il n'y avait pas de fenêtre. Et j'avançais. Et à un moment donné, je me réveille tout effrayé. Gloire à Dieu. Et cela a continué jusqu'à ce que je donne ma vie au Seigneur. En 2008, en octobre 2008, j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai fait ma repentance. On m'a fait le brisement de lien. Et frère, il faut dire que quand j'ai donné ma vie à Dieu, l'objectif que je voulais atteindre m'a emmené à faire une repentance sincère. Et frère, j'étais étonné quand cet esprit-là continuait de me visiter. Et quand j'en parlais à mon faiseur, il me disait, « Sœur Gisèle, est-ce que tu as bien analysé ta vie Est-ce qu'il n'y a pas un péché qui est encore dans ta vie et quand il me disait ça, frère, je me fâchais, il disait, mais donc toi, tu penses que moi, je vais venir en crise et puis je vais m'asseoir là pour pratiquer le péché, alors que mes autres, eh, les autres sont en train d'être bénis. Et frère, pendant longtemps, j'ai traîné avec ça, m'a fatigué. Gloire à Dieu. Et j'ai voulu reprendre mon brisement de lien. Et ce jour-là, c'est papa qui a conduit le, ce brisement de lien. Gloire à Jésus. Et après ce deuxième brisement de lien qu'on m'a rendu, trois jours après, cet esprit s'est encore manifesté. Gloire à Jésus. Frère, en réalité, mon âme était dans une prison spirituelle. À travers les songes, je voyais mon âme dans une maison close. Et là où j'étais, la chambre dans laquelle, dans laquelle j'étais enfermée, pour accéder à cette chambre, c'était comme euh, dans un sous-sol. Il y avait un escalier sous forme de spirale. Tu prends l'escalier, tu descends. Et la chambre était obscure. Et j'étais dans cette chambre avec mes documents. Gloire à Jésus, j'étais étudiante. Avec tous mes documents, j'étais dans cette chambre-là. Et. Après ce deuxième brisement de lien dans le songe, c'est comme si j'ai réussi à m'échapper. Mais cet esprit s'est arrangé pour me rechercher et il m'a rattrapé. Et quand il m'a rattrapé, il m'a ramené dans cette prison. Gloire à Jésus. Et je courais d'échec en échec. Je présentais des concours, je déposais des dossiers. Et je me rappelle bien quand je dépose les dossiers dans les entreprises, quand je réponds à des offres d'emploi, quand je dépose mon dossier, le jour même, j'ai déposé le dossier, la nuit, je fais un songe et je vois que c'est cet esprit-là qui a réceptionné le dossier. Gloire à Dieu. Et j'ai beaucoup souffert. On ne m'appelait jamais pour, pour, pour un entretien. Et c'était comme ça. Et. Dans le monde, je me rappelle que je voulais me marier. Et cet esprit-là influençait mes relations. Et il faut dire que dans le monde, quand je me mettais avec quelqu'un, la personne réussit rapidement. Si c'est un concours que la personne présente, c'est le succès. Mais la personne ne peut pas me garder. Et je partais de déception en déception, d'échec en échec. Et c'était comme ça. Gloire à Jésus! Et quand je suis venue en crise, après ce deuxième brisement de lien, j'ai expliqué à papa, voilà ce qui s'est passé. Frère, c'était difficile. Et mon frère me disait toujours, « Sœur Gisèle, il faut, il faut réfléchir, il y a un péché qui est encore dans ta vie. » Et lors de mon deuxième brisement de lien, il y a un papa qui m'a dit ce jour-là, « Sœur Gisèle, il faut travailler sur tes ressentiments. » Il faut travailler sur ta pensée. Et en 2011, à l'initiative de la crise post-électorale, ils ont fermé la cité universitaire. Et je devais rentrer en famille chez mon grand frère, gloire à Jésus. Et je suis allée chez mon grand frère. Là-bas, vraiment, la situation était difficile. Et un jour à la maison, mon grand frère a tenu des propos qui m'ont choqué. Frère, je suis rentrée dans une colère, pas possible. Je tremblais de colère et je commençais déjà à prendre des résolutions pour quitter sa maison. J'étais rongée par la colère au point où, dans mon sommeil même, je faisais des cauchemars. Je faisais des cauchemars. Et un jour, je me suis assise. J'ai dit, mais ces cauchemars que je fais là, si je meurs dans un cauchemar où je vais. Parce que je me rappelle bien, dans ces cauchemars, je pouvais être en train de courir et puis il y a un gros trou, je tombe dedans. Or, souvent, j'entends dire que les gens qui dorment et qui, qui meurent dans le sommeil, souvent, quand ils, ils font des chutes dans des fosses, c'est comme ça, ça peut se passer. Donc, j'ai eu peur. Et le cet esprit m'a interpellé et je me suis rappelé d'une chose. Je me suis rappelée que je suis beaucoup coléreuse. Et à cause de la colère, je pouvais bouter des gens avec qui je vis dans la même maison pendant des jours, des semaines. La colère me rongeait, frère. Et je me suis assise, mais avec la colère, si je meurs dans un cauchemar, je ne me réveille pas le lendemain où je vais. Et le Seigneur. Ce jour-là le Seigneur concentrer ta part de délivrance arrive. Suivez bien le témoignage. Remain focus. your deliverance is coming. Let's follow the testimony. Gloire à Jésus. Et c'est pendant la même période où j'étais sous l'effet de la colère que je vais faire un songe et dans le songe quelqu'un me dit il y a ta couronne qui est gardée quelque part dans un coffre fort. Il faut aller prendre ta couronne dans ce coffre -fort. Et on m'a montré où se trouvait ce coffre -fort. Et c'était un endroit, c'était une chambre comme dans, dans les, les, les boîtes postales, les boîtes où on met les lettres anciennement. Il y avait des, des petites clés au-dessus de chaque boîte. Et quand je suis partie, il y avait un petit enfant, un petit enfant de cette taille-là, qui était le gardien des lieux. Je lui ai dit. On m'a dit que j'ai ma couronne qui est détenue dans un coffre fort en ce lieu. Je suis venu chercher. Il me dit voilà, entre, tu vas prendre. Mais ce que j'ai remarqué dans ce son, c'est que je n'avais pas la station droite. Je rampais. Je rampais. Et j'ai rampé j'ai soulevé ma tête je me suis réveillée. Et j'ai compris automatiquement que j'étais en danger. J'étais dans une position de faiblesse à cause de la colère. Et frère, automatiquement, j'ai décidé de prendre un jeûne de trois jours pour me repentir de la colère. Là, gloire à Dieu, et c'est là que je me suis rendu compte que depuis longtemps, et dans la famille même, j'étais reconnu comme ça, un enfant colérique, un enfant colérique. Donc, j'ai décidé de prendre trois jours de jeûne pour me repentir de la colère et c'est ce que j'ai fait gloire à jésus et c'est je crois au deuxième jour du jeûne je vais faire un autre songe et c'est dans ce songe j'étais dans cette prison j'étais enfermé avec tous mes documents comme je l'ai dit tout à l'heure et j'entends un bruit au-dessus de la dalle et c'était un éléphant énorme qui était monté sur cette dalle, qui était en train d'écraser, d'écraser la dalle. Et pour la première fois, mon âme pouvait voir la lueur du jour. Gloire à Jésus. Et je me suis vu en train de sortir de cette prison. Et autour de la prison, ce que j'ai remarqué, il y avait des barbelés de fer. Et de loin, j'ai une amie en Christ qui m'a vu. Elle m'a dit, Sœur Gisèle, qu'est-ce que tu fais là Et elle est venue vers moi, elle a soulevé les barbelés et je suis sortie de cette prison. Gloire à Jésus. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et frère, quand je suis sortie de cette prison la même semaine, il y avait une entreprise où j'avais déposé un dossier. On m'appelle pour dire, on a vu ton dossier, mais il faudrait que tu viennes faire un entretien. Prépare-toi, tu n'es pas seul, vous êtes nombreux. Et j'ai décidé d'aller reviser mes cours pour être à la hauteur ce jour-là. Et je suis allée dans une école, dans une salle, et j'ai commencé à étudier. Aux environs de 14 heures, il y a un léger sommeil qui m'a pris, et j'ai commencé à somnoler sur le banc. Et c'est là que je vois le mari de nuit dans... Ce songe-là encore, il vient, cette fois-ci-là, c'est comme si j'étais dans un lit et il est venu se coucher à côté de moi. Et en même temps, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai eu peur. Et il y a une voix qui me dit, Rassure-toi, je l'ai vaincu. Offre d'acclamation à Jésus-Christ. Christ. Et je suis allée faire l'entretien. Et le vendredi matin, le responsable des ressources humaines m'appelle pour dire, Gisèle, au thème de l'entretien, c'est toi qu'on a choisi. Jésus-Christ. Jesus Christ. Nous allons partir. Tu vas visiter le site. Si ça te sied, tu vas commencer le travail. Gloire à Jésus. Et je suis allée avec lui le lendemain sur le site. Et on m'a montré mon bureau. Et on m'a logé sur le site. J'ai commencé le travail le 2 octobre 2012. Et quand j'ai commencé, je dormais sur le site. Un jour, entre midi et 2, j'étais couchée. Je dormais. Et dans le songe, je vois cet esprit. Il était dans ma chambre. Et quand je l'ai vu, j'étais couché, il venait se coucher. En même temps, je me suis levée, je me suis assise. Je suis rentrée dans une colère contre lui. Je lui ai dit, tu me fatigues, tu vas sortir de ma vie. Je ne veux pas de toi, je ne veux plus de toi, sors de ma vie. Ramasse tout ce que tu as envoyé dans ma vie, sors de ma vie. Je ne veux plus te voir. Et il a commencé à trembler, il a commencé à trembler et il avait un ami qui était à côté qui me disait, Gisèle, il faut te calmer entre le mari et la femme. Quand il y a des problèmes, on peut régler. <laughs> Gloire à Dieu. J'étais toujours dans la colère, je le chassais. Malgré ce que son ami disait, je le chassais. Et à un moment donné, il est allé ramasser des, des colis de sachets bleus. C'était des documents qui étaient dedans, il l'a ramassé, il l'a attrapé comme ça. Et au moment où il voulait franchir le seuil de la porte, je l'ai rattrapé. Quand je l'ai saisi, j'ai attrapé les sachets, j'ai tiré. Je lui ai dit quand tu venais tu n'avais rien. Quand j'ai tiré le sachet, ça s'est rompu, c'était mes documents, il prenait pour partie. Et j'ai récupéré mes documents, je me suis réveillé. Et c'est comme ça le Seigneur m'a délivré. Jésus-Christ. Jésus Christ. Jesus Christ. Gloire à Dieu. Et moi qui ne pouvais pas avoir dans le monde une relation stable, je partais d'échec en échec. Le Seigneur a ouvert la porte du mariage. Gloire à Dieu. Frère, pour retourner en arrière, dans le monde, quand je me mets avec quelqu'un païen, il réussit rapidement, je ne comprenais pas. Il réussit, mais il ne peut pas me garder. Et c'est comme ça, moi, c'est ce qui m'a amené même à quitter le monde. Et quand le Seigneur m'a délivré de façon authentique de ce mari de nuit, frère, il m'a ouvert la porte du mariage. Il m'a donné un merveilleux mari avec qui je me suis unie le, le 8 mars 2014. Gloire à Jésus. Amen. Et ce que je voudrais souligner, c'est que pendant que j'étais encore sous l'emprise de la colère, frère, il y a eu des moments où, même dans mes songes, on me provoquait pour rien que pour que je rentre dans la colère. Et même en songe, je manifestais la colère. L'esprit m'a fatigué. Il m'a fatigué. Mais le Seigneur a été victorieux sur ma vie. Que toute la gloire. L'oeil l'élévation lui reviennent. Amen. Pour le témoignage de la sœur, on l'a de la sœur de San Pedro, on l'a écouté, je crois trois ou quatre fois. We listened to the testimony of the sister from San Pedro three or four times, I think. La colère pour elle était l'idole. Anger for her was an idol. Alors son idole était la colère. Or, sa idole était la colère. Dans Corinthiens, le passage que nous avons lu. In Corinthians, the verse that we read. Il est dit que on peut punir tous tes ennemis. It is said that we can punish all your enemies. Et te délivrer. We can deliver you. Si tu es totalement obéissant. If you are completely obedient. Ça veut dire que si tu n'as pas d'idole. Meaning if you don't have any idol. Idols are sins that we tolerate. On les aime. We love them. Ce sont des péchés qui Dieu. These are the sins which overthrow God. Dit, tu es déjà en Christ. Meaning you are in Christ. Ce péché là peut te faire sortir de Christ. And those sins can bring you out of Christ. donc c'est un dieu pour toi so it is a god for you frère médite un peu red, tu red, aimes Jésus think about it you love jesus le péché qui te fait quitter Jésus the sin which makes you to leave jesus est incontestablement ton dieu is your god without argument Tout, si quelque chose parvient à te séparer de dieu if something Separates you from God, est chose là qui est ton Dieu. it means that that thing is your God. Et y a des and des, there are demons, des powerful demons, qui aux pour dans ta vie. who hold on to idols in order to reign in your life. Les idoles sont comme les grands fauteuils où les principautés s'installent, les démons s'installent pour régner. Idols are like big chairs where principalities sit in order to reign. Est-ce que nous sommes ensemble? Give me those two chairs, please. Les, les, les principautés n'aiment pas les péchés qu'on confesse facilement. Principalities they don't like sins that are easily confessed. Ils savent que s'ils occupent ce ce péché là, ils vont tomber. Ils vont tomber. They know that if they hold on to that sin, they will fall. Ben si il y a une idole, if there is an idol, là il s'installe bien sur l'idole. He sits comfortably on the idol et commence à régner. On ne peut pas le chasser parce que tu aimes l'idole. Si ton, ton idole c'est le mensonge. c'est la principauté du mensonge. C'est la principauté du mensonge qui va régner sur toi. If your idol is lie, it's the principality of lie that is going to reign over you. Any other spirit cannot reign over you. The demon which is going to reign over you is the demon that the idol represents. Pour que le démon tombe, For the demon to fall, on enlève la chaise. You remove the chair. Et tombe. And the demon Parce que c'est ça, ça, qui est sa force. Because this is what is his strength. Ton idole est sa force. Your idol is his strength. Quand tu confesses l'idole, when you confess the idol, tu You forsake it. Son fauteuil est cassé. His chair is broken he and he falls. The idol can be food. It can be lies telling. It can be alcohol. It can be pride. Chacun est esclave Each one is a slave de ce qui a triomphé de lui. To what has triumphed over him. Lise 2 Pierre chapitre 2, verset 19. 2, Peter 2 verse 19. Pierre chapitre 2, le verset 19. 2 Pierre chapitre 2, verset 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Tu es esclave you are a slave du péché qui t'a vaincu. Of the sin that has overcome you, Et le, la que ce péché va sur toi. and the principality that that sin represents will, over, will dominate over you. Tu des morts. If you practice the worship of death, le, la mort le de mort sur toi. death and Hades are going to reign over you. Des messagers, des amis. The spirit of are going to be your messengers, your friends. Tu vas voir constamment en You're constantly going to see them in your dreams. Si tu as même un peu de palud, ils viennent. If you have a little bit of fever, they come. Certains vont même venir t'appeler. Viens. Some will even come and call you. Come. Une sœur me disait que son père, qui était mort, venait lui dire, viens. A sister told me that her father, who was dead, came and told her, come. Elle, a, elle dit la, jugé. She said that she judged him. Si tu vas, if you go, he, possède, malade, he will possess you and you fall sick and die. There is a level of warfare where you have to overthrow idols. Brother Zach said he started a fast a certain to overthrow a certain prince. Et a dit and God told him that he has to stop. Avait de qui and many people committed themselves. Il lui a dit, il lui a dit, de he said that prince is a spirit of lies telling. Il faut des gens qui ne pas. You need people who don't tell lies pour le in order to overcome him. Si tu as compris le principe, if you have understood the principle, you have understood, you've understood it all. Ils mentent. They tell lies. Their prince, est un prince de Their prince is a prince of lies. Pour le In order to overcome him, les gens qui sont, qui ont le you need people who have overcome lies telling. Cette sœur a souffert. That sister suffered. Elle a fini les études. She finished her studies. Pas même l'appel. No de, work, even a call. Viens, hein, viens, viens, on va te, on va t'entendre. Come, let us listen to you. Zéro. Nothing. Pas d'interview. No interview. Elle a forcé le mariage. Elle se coucher chez quelqu'un. She forced marriage and went and slept in someone's house. Zero. Nothing. Est que nous Are we together? On a fait le des liens. They did her breaking of evil ties. Elle se toujours en prison. She was always seeing herself in prison. The anger made her not be filled with the Holy Spirit. Anger made her not to be filled with the Holy Spirit. They give her the key that go, your crown is there. She cannot stand, she's crawling. No fullness of the Holy Spirit. It is the Holy Spirit who gives you the strength to fight in your dreams. Because he vivifies spirit. Because he brings your spirit back to life. Lui qui permet de refuser la nourriture He's the songe. one that permits you to refuse food in your dreams. Lui qui permet de refuser les breuvages en songe. He's the one that permits you to refuse drinks in your dreams. Quand il est en toi, tu es when he is in you, you are awake. Quand, quand il pas là. When he is not there, Tu deviens faible. You become weak. Tu ne peux pas dire au nom de Jésus. You cannot say in the name of Jesus. Il faut renverser les idoles. You must overthrow idols. Tu dois être propre. Pour certains, la saleté, c'est l'idole. Pour certains, la dette, c'est un idol. Il ne faut pas dire je ne commets pas l'adultère. Cherchez là où tu es vaincu. Ne dis pas je ne commets pas l'adultère. Voyez là où overcome. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Each one is a slave to that which has triumphed over him. What is it that has triumphed over you? That is what you have to seek. Don't rejoice when you see people drinking alcohol and you say, I don't drink, so I am strong. Quand je méditais sur ces choses, things, le Seigneur m'avait fait comprendre qu'il y a des gens qui prient souvent, oh, c'est j'ai commis tous les péchés. Et le Seigneur me dit, un homme ne peut pas commettre tous les péchés. Il y a des the gens, même étant païens, ils n'ont pas aimé certains péchés. Même étant païens. Even as unbelievers. Mais sur péchés, but in some other sins. They could not resist. Non, le péché qui brise ta so that sins which break your resistance. Là où come ta mort from. Va venir. That is where your death is going to come from. That is where your death is going to come from. Si c'est le doute, If it is doubt, le, les puissants démons du doute vont s'installer dans ta vie. Le résultat est le même. And the is the same thing. Parce que tous les démons travaillent pour le règne du diable. All the are for the reign of the devil. Tu es sale. You are dirty. Le démon règne sur toi pour le règne du diable. the demon reign over you for the reign of the devil. We had, we had to eat somewhere. a sister just dipped her hand. i said, please wash your hand. Wash your hands. then she and put her hand in the water. and some dirty black water was falling. It was dripping. I say, have you seen? Just by scrubbing the, your, the ends of your fingers, little drops of water, black. She can remain without committing but the adultery. But a demon of death is going to dominate over her. Are we together? Everyone is a slave to that which has tamed, overcome him. A normal man is not looking for what others are doing, he is seeking for what is that thing that has triumphed over me. Il y a beaucoup de péchés, mais quels sont les péchés dans lesquels je suis revenu? There are many sins, but which are these sins in which I have come back? Ton problème. Your problem. Et dans ces péchés là qui sont revenus. in the sins which came back. Chacun est Esclave du péché qui l'a dompté, qui a triomphé de lui. Et comme Dieu est bon. Good, son témoignage, je le, je maîtrise son témoignage parce que c'est dans le laboratoire. I know her it is in the elle dit que c'était comme le bunker quand elle veut sortir, il y a déjà quelqu'un à la porte. And she said it was like a bunker. When she wanted to come out, there were people at the door. Quand le Parce je faisais, je faisais le when I did the breaking of evil ties myself the second time, because I used to do it. She dreamed she had finally De cette prison -là. She dreamed that she left that prison. She came out of that prison. Elle marchait. and she was walking. Lui a dit, attention, attention. And someone told her, "Look behind you. Be careful. Be careful." Retourne, when she turned, le de nuit. it was the spirit husband. Il and he laid hold of Il her a dans la prison. and took her back into the prison. what she what she forgot is that she told no one. when she saw that the demon brought her back into prison, she didn't have the courage to say it to someone. until the incident that which she was talking about happened. She said, in three days, for three days she was in anger, trembling out of anger. And God told her, That is your problem. She took the commitment to fast three days. The second day, as God agreed. elle a satisfait le cœur de Dieu she had satisfied the heart of god elle a renversé son, son petit dieu she overthrew her little god Pour que le vrai dieu d'israël règne so that the true god of israel reigns sur sa vie over her life elle a ordonné à un éléphant spirituel de casser la de casser ce ce bunker he commanded a spiritual elephant to break that bunker david in shows i'll tell you one thing tout ce qui existe, Everything which exists, physiquement, physically, a une existence spirituelle. Has a spiritual body. Si tu vois un cours d'eau, il y a ce cours d'eau-là existe spirituellement. That stream of water exists spiritually. Les, les, les éperviers, les oiseaux, les éléphants, ça existe spirituellement. The, the birds, all of them, they exist Donc, Dieu qui est souverain? Who is sovereign, Il a dit à l'esprit d'éléphant: va casser la, le bon cœur. Il a dit au spirit de l'éléphant: go and break down boom, that bon cœur. Boum, boum, boum. Boum, c'est cassé. Elle a vu la lumière. She saw light. Elle est sortie. She came out. Elle est sortie. Depuis si qu'elle est sortie, elle aussi peut se réjouir. Elle peut aussi réjouir. Travailler. Work. Gagner un salaire. Have a salary. That receiving someone who tells her I want to marry you, I love you. <laughs> and she is there. Acclamation à Jesus Christ. Clap of free for Jesus Christ. <laughs> the overthrow of idols is fundamental. The overthrow of idols is fundamental. The problem is that Tu peux croire que tu sais renverser les idoles. The problem is that you you can think that you know how to overthrow idols. Alors que tu es en train de jouer. Meanwhile you are playing. Vous avez vu? La colère seulement, elle a pris trois jours de jeûne. You see only anger, she took a three days fasting. Sous sa, sous la conviction du Saint Esprit.

Isaiah says, nos péchés sont devant nous, nous les connaissons. Lis ça, Isaïe 59, verset 12. Esaïe 59, verset 12. Nos péchés sont devant nous, nous les connaissons. Isaïe 59, verset 12. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi, et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous, et nous connaissons nos crimes. Amen. For our offenses are many in your sight, and our sins testify against us. Our offenses are ever with us, and we acknowledge our iniquity. Isaiah 59 verse 12. Amen. Nous connaissons nos crimes. We know our sins. Nos transgressions sont avec nous. Our transgressions are with us. We si as tout oublié. don make as if you forgetten about everything. si tu es mastubate tu ne peux pas dire que tu as forget tu as forget ça. if you commit mastubation you cannot say that you forget about it. on n' oubli jamais l' idol. we never forget the idol. si c' est le kutuku tu sais ko quand on dit pêche là c' est ça qui vient se présenter. if it is kutuku you know when they say sin that is what present itself. quand c' est l' orgueil. when it is pride. quand on dit même orgueil ton coeur commence à bat. when they say pride your heart start beating. Idol is not something that is hidden. It is something that we cherish. That we protect sometimes. It can be an object. It can be your car. As someone does leave it, leave it, leave it. Cars are very expensive nowadays. Don't joke with my car.

Her husband walks, she would take the broom and sweep behind him. Dès tu marches là où la balle, dès que on le balayé le balayé, on passe walk where she has swept, she would take the broom and sweep again. Ça paraît intelligent. It may seem intelligent. Mais si tu te donnes pour travail de nettoyer là où les gens sont passés, c'est un travail inutile. But if your work is to, is to clean where people have walked, it is useless.: and, and, people, and people will annoy you, and the idol is not in the action. it's in the anger that you have when people pass. You can be a sister.: Prepare avec talent. You cook with talent. Mais quand les gens mangent, ça te fait mal. Ils mangent ma nourriture. Si quelqu'un essaie de dire ajoute encore. If someone tries to say, add again. C'est là où le, le diable va dire à un démon celui-là, son problème c'est la nourriture. Va t'asseoir. On ne va pas te renverser. Va. That is when the devil is going to tell a demon that one, the problem is food. Go and sit down and you will not be overthrown. Go. 1 Samuel 14. 5, verse 14. 1 Samuel, 5, verse 14. Samuel chapter 16. Le verset 14. 1 Samuel 16, 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Amen. 1 Samuel chapter 16 verset 14. Now the spirit of the Lord has departed from Saul, and an evil spirit from the Lord tormented him. Amen. Saül avait péché. Saul had sinned. D'abord, avant le péché, Dieu l'avait béni. Before the sin, God had blessed him. Dieu lui avait donné un God gave him a new heart. Et Dieu lui avait donné le and God gave him the Holy Spirit. Et il a même des and he had, Après, il a péché Dieu. he had victories. He had outstanding victories. And he sinned after God. Et le and the Holy Spirit left him. Écoutez ce que la Bible dit. Listen to what the Bible says. And a spirit coming from the Lord came and tormented him. Does God have evil spirits? No. No. That verse simply means that Dieu a laissé a mauvais esprit entrer en lui quand le Saint-Esprit l'avait quitté. That God allowed an evil spirit to get into him when the Holy Spirit left him. Quand le Saint esprit pas là, when the Holy Spirit is not there, y a un qui va venir. there is a certain kind of spirit which will come. Qui a jeté, ça, faisait quoi? And the spirit that tormented Saul, what did he do? Voulait tuer David. He wanted to kill David. He prend la lance, il lance, boom, He would take he the spear and throw it and he would miss it. Since he was violent and and he had hatred against David. So the evil spirit which came in him was just helping him to do the things that he loved.

Casser tout, brûler tout. It is its its toujours kind le, toujours of folie, And another can become mad and break everything. But that's another prince of madness. Que nous sommes ensemble? Are we together? Le passage. Read the passage again. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül. The spirit of the Lord came out of Saul, qui fut agité par un mauvais esprit. Qui fut agité par un mauvais esprit. And he was tormented by an evil spirit. Oui, venant de l'Éternel. Venant de l'Éternel. Venant de l'Éternel veut dire que Dieu a laissé un mauvais esprit venir attaquer Saül coming from the last me god permitted an evil spirit to come and attack Saul. Lie Joël chapitre 2 verset 25 et 26. Joël chapter 2 25 and 26. Joël chapitre 2 verset 25 et 26. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gelec, le asile et le gazam, ma grand que j'avais envoyé contre vous vous mangerez et vous vous rassasirez et vous célébrerez le nom de l'éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion amen, amen. 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 Two, 25 26 I will repay. you for the beasts the locusts have eaten the great locusts and the young locusts the other locusts and the locusts warm swarm my great army that i sent among you you will have plenty to eat until you are full and you will praise the name of the lord your god who has worked wonders for you never again will my people be shamed amen Vous avez Have you heard? Dieu avait envoyé les sauterelles, God les ailets, le gazam et les le Les gens ne savaient pas. Ils voyaient seulement le malheur. C'est Dieu qui avait libéré les sauterelles. Et il a demandé la repentance. repentance. Au chapitre 2, in chapter 2. verset 12. il a dit il faut revenira revenir et ils sont revenus et il leur fait la promesseje vex remplacer les années qu'ont dévoré la sateralle le zélec de hasam et le gazil That I will replace the years that the locusts, the grasshoppers, the worms, the canker worms have eaten. Il dit, moi qui les avait and he said, I was the one who sent them. Quand Dieu les sauterelles, when God sent locusts, you take all the specialists, et les engins et les avions pour and les all chasser. the engines and planes. Zéro. Nothing. Plus you attack, plus they multiply. The more you attack them, the more they multiply themselves. And when we repent, God speaks to the locals. He says, leave. And he tells the rain, fall. Let the field produce. De nourriture. Let there be abundance of crops. Dieu est capable. God is able. Est que nous sommes ensemble? Are we together? Si ton mari fait quelque chose, pardon. If your husband did something to you, forgive. If, ton épouse, if your, your falsé, wife pardon. has offended you, forgive. Don't ask him to repent, just forgive. Si tes parents frustré, pardon. If your parents are frustrated, you forgive. Offensé, pardon. If your little brother, your other brother, or your other sister has offended, you forgive. Tu pardon. You forgive. Les démons vont fuir. And the demons are going to flee away. Do we understand? Your disciple maker has offended you. Forgive. Your disciple is rebellious. Forgive. And pray for him. The idol is going to fall. Le va tomber. idol Est-ce que nous sommes ensemble? together? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va abandonner ses péchés? un invité? Someone who has been invited. Avant qu'on commence la prière, est-ce qu'il y a un invité qui doit abandonner les péchés? Il Before, veut abandonner ses péchés. Before we begin with prayers, is there an invitee who wants to? Lève la main. Forsake his sin. Lift up your hand. Oui, venez, venez vite. Come, come quickly. Venez, venez. Come. Tu es un invité. You have been invited. Tu veux you want to abandon your sins. Viens. Come. Tu es invité. You have been invited. Tu es you have been invited. Tu veux you want to abandon your sins. Viens. Come. Non, acclamez vraiment parce que c'est la victoire. Clap truly. Tu es un invité. You have been invited. Tu es un invité. You have been invited. Tu veux abandonner le péché. You want to abandon sin. Tu ne veux pas qu'on te flatte. You don't want to be flattered. Tu veux vraiment abandonner le péché. You truly want to forsake sin. Come. Tu es un invité. You have been invited. Tu es un invité. You have been invited. Tu vas abandonner le péché. You want to forsake sin. Tu veux laisser les idoles. You want to forsake idols. Tu veux servir Jésus. You want to serve Jesus. Lève-toi et viens. Stand up and come. Oui, viens, viens, viens. Come come Viens viens viens, 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 viens. Come, come. Viens, viens, viens. Viens. Acclamation. Clapper free. Tu es un invité. You have been invited. Tu veux laisser le mensonge. You Le want vol. to forsake lifestyle, the pudicity, theft, immorality, tobacco, L alcohol. Come. Come. You can Viens. be a small boy or an adult. Come. Tu croyais que tu es sauvé. You thought you were saved. Mais tu te rends compte que tu n'as jamais abandonné le péché. That you have never forsaken sin. Lis encore Esaïe 59, lis le verset 12. Isaiah 59 verse Esaïe 59 le verset 12. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi. Nos transgressions sont nombreuses. Our transgressions are many. Tu, tu viens de réaliser que tes péchés sont nombreux. Que tes sins sont nombreux. Et nos péchés témoignent contre nous. Et les péchés que tu commets disent à Dieu voici la personne qui nous commet. Et les sins que tu commets disent à Dieu c'est la personne qui nous commet. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Tu connais tes crimes. Tu you connais. know your crimes. Dis à Dieu, je réalise que mes péchés sont nombreux. You tell God, I realize that my sins are numerous. Je connais tous mes crimes. I know all my crimes. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Dis à Dieu. God, cette vie. I forsake that life. Cette vie. I forsake that life. Cette vie. I forsake that life. God, cette vie. I forsake that life. I forsake that life. Stand up and come. Is there someone who was in Christ? Who fell, he, veut he wants to come back. Dieu. A child est of God tombé. who has fallen and wants to come back. He fell and wants to come back. He fell and wants to come back. He doesn't want to stay in the world il dans le péché. and die in sin. He is touched. He is touched par de Dieu. by the love of God. Il est he is touched par de Dieu. by the love of God. Il est he is touched par la patience de Dieu. by the patience of God. Il est he is touched par la de Dieu. by the patience of God. Dit, Je chez mon père. And he says, I'm coming back to my father. Ne pas le I cannot save the devil. Aller mon père. I will go and serve my father. Stand up and come. Is there someone here who fellowships in another church? And God is telling him to come to CMFI. If you are the one, lift up your hand. Le diable est en train de 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 fuir. The devil is fleeing. Les autres faites comme eux, ne ne résistez pas. Please, the others do like them, do not resist. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Tu seras béni. You will be blessed. Yeah ko. Really Di Car nos transgressions sont nombreuses devant toi. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi. For our transgressions are numerous before you. Tu penses que c'est caché? You think that they are hidden? Ce n'est pas caché. It's not hidden. C'est devant Dieu. It is before God. Tout ce que tu fais. Everything you do. Et devant lui. It is before him. Sous son regard. Under his side. Tout ce que tu fais. Everything you do, Il voit. He sees. Bien. Read it again. Car nos, transgressions sont nombreuses devant toi. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi. For our transgressions are numerous before you. Continue. Et nos péchés témoignent contre nous. Et nos péchés nous accusent. And our sins accuse us. On, quand no tu te dis quand tu veux dire j'ai rien fait. When you want to say I've not I've not done anything. Le démon dit eh hey, maître tu, 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 tu as fait the demand say you liar you did it. Volé, you stole you lie like me. Left to heaven. Stand up and come. Continue. No transgressions sent with us. No Our sins are with us. Et nous connaissons nos crimes. Et nous connaissons nos crimes. And we know our crimes. To connaît a crime. You know your crimes. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Nous connaissons nos crimes. Je, tu we know our Tu connais tes crimes. You know your Tu connais tes crimes. You know your Tu connais tes crimes. <cres> stumbled, <cres> <cres> you know your Tu connais tes crimes. <cres> <cres> ne prétends pas. Viens. Do not pretend. Come. Don't make as if you are a child of God. You know your crime. Et tu sais and you know que que parle. that God is talking to you. Five minutes we are going to stop. If you have to come. Come quickly. We oui, acclame, acclamez, acclamez. Yes, clap. same minutes. Five minutes. Si tu dois venir. If you have to Viens maintenant. Come quickly. We oui, acclame, acclame, Yes, clap. Acclame. Cinq minutes. Five minutes. Si tu dois venir. If you have to Viens maintenant. Come now.

Cut, cut, cut. Four, four, four. Cut, 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 four. Quatre. Four. Trois. Three. Three minutes. Three minutes. Trois minutes Satan, je ne pas. Three minutes to tell Satan, I don't love you. Jesus. I love Jesus. Je vais. And I am going. Et tu te lèves -tu. And you stand up. tu viens. Et tu you come. Peut-être tu te dis, je suis pas, moi je suis venu seulement prier. Peut-être que vous vous dites, juste venu parce que j'ai des problèmes. Lise. Oui. Osez 13, verset 9. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Amen. Écoutez, qu qu'est-ce qu que la parole de Dieu dit What is the word of God Dieu dit, God is saying, ce qui cause ta ruine... That which is causing your ruin is that you are against him. Alors que lui qui peut te Meanwhile, he's the one that can rescue you. Tu es la qui peut te that means you are against the person who can save you. Quand dit, la vie à Jésus. When they say, "Give your life to Christ," tu you refuse. Pourquoi? Why? Tu veux boire. You want to drink. Yeah. Tu veux fumer la cigarette? You want to smoke cigarette. Et tu veux les, la drogue? Ou tu veux À cause de ça? Of this, tu ne réponds pas à l'appel de Jésus? You don't the call of God. Mais tu attends la bénédiction? And you're waiting for the Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Read encore. Really ce qui cause ta ruine, Israël? Ce qui cause ta ruine? Ma fille, mon fils. What your root, my daughter, my son? C'est que tu as été contre moi. C'est against me? Dieu qui te parle. God is speaking to you. Contre celui qui pouvait te secourir. Tu es contre celui qui pouvait te secourir. You're against the one who could rescue you. Tu le refuses. You're refusing him. Tu restes assis. You remain seated, attendant la bénédiction. Waiting for blessing. Ce pas comme ça fait. This is not how you do. Lui ta vie. You have to give him your life. Il va poser sa main sur toi. And he's going to lay his hands on you. Si tu, si tu es malade, par exemple, if you are sick, for example. not that will kill you. It is not that sickness which is going to kill you. Qui va te tuer. That which is going to kill you que tu as laissé dehors. is that you've left Jesus outside. Lui qui enlève les maladies. And he's the one who mm. removes sickness. Tu laissé dehors. You've left him outside. Tu laissé dehors. You've left him outside. Et la Bible dit, and the Bible says if someone hardens his ear not to listen to the law his prayer is an abomination. Quand tu dis non à Jesus, when you say no to Jesus si tu pries, if you pray tu you're sinning. C est, c est arrogance. It is arrogance. It is despise. You're telling, you're saying that who is God? He's asking me not to drink. Who is he? And you drink. It will cost you a lot. In this present age venir, and in the future age to come, where is the last person? La we are going to start prayers. Let's clap together. Levez vos mains. Lift up your hands. Vous avez le You've overcome the devil. Vous êtes you are overcomers. The Jesus. Say, Lord Jesus. Les I forsake my idols. Forgive me. Pardonne -moi, pardonne -moi, pardonne -moi. forgive me. Forgive me. Forgive me. Forgive me. Love moi oh Jésus. Clean me, oh Lord Jesus. By, ton by your blood. Je suis sale. I am dirty. Sale, 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 sale. Dirty, dirty, dirty. Tout mes All my sins avec moi. are with me. Deliver, moi de Deliver me from these sins. Mon nom dans ton livre de vie. Write my name in your book of life. Oh, Jesus. Oh, Lord. Je crois que tu es le fils de Dieu. I believe that you're the son of God. I believe that you can save Je me. me I believe that you can heal me. Pose Lay your hands on your Je head. Say, Je avec de so, Lord, I'm coming with many sicknesses. And blockages. Deliver, Deliver me. Guéris-moi. Heal me. Deliver moi. Deliver me. Moi. Heal me. Delive Deliver Seigneur me. Jesus, Lord Jesus. Have mercy upon me. Toi. Here I am before you. Fatigué, charge. Tired and heavy loaded. Le repos. Give me rest. Le repos. Give me rest. Le repos. Give me rest. Merci, Thank you, Lord. I accept. Comme to be separated de la qui règne dans la from the witchcraft which reign in my family, du côté de mon père. on my father's side, du côté de ma mère. and on my mother's side, Et du côté de la belle and on my in-laws' side. Accept. I accept. On me de cette to be separated from that curse de and from all idolatry. Au nom de in the name of Jesus. Amen. Christ. Amen. Assez. Please Assez. be seated. Thank you.